Coucou tout le monde, nous voilà repartis pour une GDA contre une équipe polonaise cette fois-ci. Et je vais m'attaquer à Marcin. Voilà, 4546 de défense. Et en mono rouge. Voilà, contre Orgal, ça va être indispensable parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de PV. Une belle défense. Et pour contrer Mani. Et Marjana aussi, tant qu'à faire. Donc si je peux enclencher Dame Loki après pour renvoyer la baisse d'attaque, la baisse de défense contre le rouge et le 2 de Clarissa, donc tout en même temps, voire indépendamment, ça peut être pas mal. Allez, voyons voir ce que les puzzles nous réservent. Allez, en avant. Alors... C'est pas mal. Je peux faire là le match jaune pour me rapprocher la rouge. Voilà. Du coup, on a envoyé 3 sur Marjana. Alors là, je peux en envoyer 3 directs sous Orgal. Voilà. Et certainement le tuer avec celle-ci. Voilà. Alors maintenant ça va se compliquer parce que je n'ai pas fini de charger mes rouges, j'ai plus grand chose. Ça sert à rien que je mette Gormek tout de suite. Si, on va quand même commencer par taper au cas où. Allez, un petit peu de rouge, ce serait sympa. Allez, 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 allez. Oh là là, qu'est-ce que... Oh là là, comme par hasard. Ah, je suis dans la même veine que dans mes raids de tout à l'heure. Ça tape sur tous les héros qu'il ne faut pas. C'est hallucinant. Allez, laisse-moi, s'il te plaît, mon Boltask, pas touche. Merci. Alors, là, ce qui serait bien, c'est de charger Mani qui vient de s'écraser contre le renvoi, parce qu'en plus, il n'est que sur un tour. Alors là, ça serait pas mal qu'il se charge, et il s'est pas chargé. Je suis donc dans le caca. Ouais, j'ai un tour de retard. Oh là 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 là. Alors, on va plutôt baisser la défense. Venir taper. Voilà. Bon, je vais m'en sortir. Sacrée intelligence artificielle quand même, hein. Voilà, terminé. Hop, et un petit coup. De Mitsuko pour terminer. Voilà, allez, premier combat, premier OS. À tout à l'heure. Là, on est en train de laisser revenir tranquillement les plus petits. Voilà, deuxième attaque de la journée contre Woujas. Woujas, 4454. Et on va essayer de passer la mono-violette. 3 soigneurs quand même, c'est bon. Il va falloir vite se débarrasser de Marjana et d'Evelyne. Et d'être très patient après. Et pas trop se faire tuer de héros pour pouvoir survivre. Alors, je pense que si j'envoie les 3 tuiles
Oui, Vika, voilà. Bon, déjà, un en moins. Un petit violet, un petit violet, un petit violet, s'il vous plaît. Ouh, c'est pas cool, ça veut pas m'envoyer de violet. Mais alors, pas du tout. Oh, ben, on va essayer de ce côté-là. Pas non plus. Ah si, un petit peu quand même. Allez, 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 un petit peu de violet, s'il vous plaît. Un petit violet en bas. Non, non plus. Oh là là. Voilà. Stop, on s'arrête de taper. Merci. Voilà. On va espérer survivre à ça. Oh non! Allez. Je vais taper, baisser la défense, elle esquive, super, merci, j'avais vachement besoin de ça. Voilà. Allez, toujours la baisse de défense active. On va envoyer les trois violets, ça passe. Bon, maintenant, faut se recharger. Voilà. Alors lui, bon, il s'est. Il se recharge, il met une des baisses de défense que je contre. Et maintenant, on va faire le petit combo qui va bien. Ou alors j'attends d'avoir des tuiles, je ne sais pas. Je vais essayer d'avoir une tuile en dessous pour venir appuyer un peu les CS. Voilà, super, c'est bon. J'ai ce qu'il me faut. J'ai la hausse d'attaque, j'ai la baisse de défense. Ah non, j'ai plus la hausse d'attaque, c'est pas grave. Tac, tac, tac et tac. Voilà, deuxième OS de la journée. Avec un board qui s'est bien débloqué sur la fin. Voilà, dernière attaque de la première partie de GDA contre Juban. On va essayer le mono vert contre cette Bonjour. équipe-là. Parti les amis. Qu'est-ce que le puzzle va me réserver? Ah, intéressant. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est le match jaune ici, vers le bas, ça va remonter. Voilà, j'ai 4 verts plus une tête de dragon. Ensuite, si je veux la tête de dragon, ça va rien me faire du tout. Donc on envoie. Là. Je vais faire péter la tête de dragon ici. Essayer de faire remonter du vert. Il n'y en a pas. On va faire monter du vert ici. Il n'y en a pas. Allez, 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 allez. Qu'est-ce que je fais? Je tape. Boum, boum, boum. Du vert, du vert, du vert. Non, ça veut pas me faire remonter de vert. Bon. Allez, on se soigne ici. Je vais tuer le tank. Ça sera au moins ça te fait. Voilà. Ah, ça y est. Il me donne des tuiles. Top, 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 top! Oh, j'étais à deux doigts de. Tra, ya, ya, j'en étais sûr. Allez, on va enlever tous les bonus qu'il y a en face. On va commencer à se soigner. Ah, Vivica, elle résiste. J'aimerais bien la bloquer. J'aimerais bien la bloquer, la petite Vivi. Où je tue Frida. Qu'il lui reste 219.
vais baisser la défense ici. Et je vais tenter. Allez, qui ne tente rien n'a rien. Ouais, c'est bon, ça a marché. Bim. Bim. Ensuite, on va faire ça. Bim, le vert. Pouf, à Pupivica. On se soigne. On fait remonter du vert. Le vert est appelé à l'accueil, s'il vous plaît. Le vert, merci. Allez! Du vert, du vert, du vert. Oh là là! Allez! Là, j'ai les deux snipers, là, ça va pas le faire, hein, sinon. Oh là là! Merci les sbires. Allez, là, il faut du verre à fond la caisse, là. Pas se poser de questions. Boum! Allez. Ouh, 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 ouh. Top. On ne bouge plus. Merci. Ouh. Oh la vache, tendu comme mon string là. Allez, mais non, pas ici le vert. Voilà. Oh aïe aïe, ça va se jouer à rien du tout. Allez, encore, encore, encore. Surtout pas taper sur lui. Aïe aïe aïe, ça va se terminer mal cette histoire. Ouais, allez, allez. Oui! Merci le puzzle. Trop de bol. Allez, troisième OS à tout à l'heure ou à demain plutôt. Bonjour tout le monde. On arrive sur la quatrième frappe GDA. Voilà, première de la soirée, on va essayer de terminer Lesnitsky D78, on va t'appeler Les, ça sera plus simple. 4662 de défense, mais il a déjà perdu Telluria. Voilà, il faut bien que je passe ma bleue et on va la passer sur une fermeture pour aider les copains. Allez, on va voir ce que ça nous donne. Pour l'instant, on n'est pas trop mal parti quand même. Un puzzle de fou. On va essayer de faire remonter un peu de bleu. Voilà. Je peux le faire en deux fois. Ce qui serait pas mal. Alors là, par contre, on n'a plus rien. Bon là je me fais avoir avec des attaques automatiques, c'est vraiment pas cool. Ça remonte pas grand chose quand même. Je vais me reprendre un coup de Nice et un coup de Séchat. On va déjà perdre. Voilà, mon soigneur, génial. Ça a tout pour... mal se terminer cette histoire.
je ne vais même pas réussir à la fermer, cette équipe. Ça me désespère. C'est désespérant. En plus, je me suis planté. Boum, voilà. Faudrait peut-être un petit coup de main là. Oh là là. Petit coup de pouce du destin. Je crois qu'il n'y arrivera pas, le coup de pouce du destin. C'est mal barré. Aïe 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 aïe. Mais dites-le moi si j'ai joué comme un pied. Ah, oh, oh là là. Eh ben, le coup de pouce du destin, il est là. Hein. Pff, oh là là, la chatte. Mamma mia. Alors, de retour, l'avant-dernière frappe du soir contre Erinès, 4647 de défense. Et puis, on va la voir. Enfin, on va la voir, je sais pas, mais en tout cas, on va l'attaquer. En mono jaune, compliqué, compliqué côté droit avec Liana costume et emblème et 20, Onyx qui est toujours très compliqué quand il se charge en x3, c'est foutu, et deux soigneurs côté gauche, bah pas simple, on va essayer de faire un beau trou ou un OS si possible, mais au moins un trou. C'est parti. Alors, on va essayer de rapprocher les jaunes. J'aurais aimé les avoir sous Onyx, mais c'est pas le cas. J'ai pas trop envie de charger Liana, mais je vais peut-être être obligé. Je vais essayer ça. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, déjà. Pouh. Ça fait mal. Mais on peut déjà envoyer trois tuiles là. Trois tuiles là. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus grand-chose. En espérant qu'il y ait un jaune qui remonte. Il n'y a rien du tout. Oh là là. Compliqué là. Hein. Très 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 compliqué. Faut que je me débarrasse du tank, de toute façon. Faut que je me débarrasse du tank. Alors, si je fais le match jaune ici. Jaune, pas jaune, vert plutôt. Pouh. Ouais, bon, ça se passe très 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 mal là. Voilà, j'ai plus d'attaquants. Ouais, c'est vraiment. C'est. C'est compliqué. Là, la deuxième partie de GDA, elle se passe pas du tout comme on veut. Voilà, c'est maintenant que j'ai les tuiles. Alors que c'était au début où j'en avais cruellement besoin. C'est toujours comme ça. Ça remonte quand on n'en veut pas. Enfin. Quand on en a moins besoin, et là, ils font ce qu'ils veulent, ils s'éclatent. Voilà, maintenant j'ai des tuiles dans le vide, c'est génial, je peux me charger. Et bim, voilà. Bon, et ben, voilà, c'est à l'image de la deuxième partie de GDA, apparemment très compliqué. Voilà, on va essayer de bien terminer cette GDA, qui, bon, est plutôt bonne dans l'ensemble. On va essayer de pas trop mal la terminer. Je vais mettre un peu de défense en plus.
à la petite Saphir. Ça me paraît pas trop trop mal ici. On va plutôt mettre une mana 5. Et on va essayer de terminer Jubana. Allez, voyons voir ce que le puzzle nous réserve. Bon, alors c'est pas dégueulasse, dégueulasse. Alors, comment on pourrait la jouer? On va faire ça. Voilà. On va lancer le jaune. On va lancer le bleu. Voilà. On va lancer le jaune encore. Du bleu, super. On prend cher, mais on se soigne. Voilà. Le pépère, il fait quoi lui déjà? Il baisse la défense. Donc, je vais aller baisser la défense ici. Voilà. Tac. On va envoyer Saphir. Voilà, ça tape tout le monde ici. Je vais essayer de terminer Frida. Ouh. On va aller voler la mana ici, comme ça ils vont moins se charger. Enfin. Voilà, il reste. Il reste mon ami Vivica. Alors, si elle ne tue pas Saphir, j'aimerais bien la terminer. Merci. Voilà. Bon, c'est pas gagné cette histoire, hein. Ouais, ça va. Ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Ça se passe pas trop mal. Allez, on termine par une belle fermeture. C'est cool. Voilà, alors, bah, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée puisque vous allez me regarder demain. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao. Hey tout le monde, un petit mot avant de clore cette GDA. Bah, comme vous pouvez le constater, eh bien, nous avons gagné. Voilà, 6034 points à 5845. Donc on a dépassé les 6000 points. On a comme d'habitude fait nos 180 frappes, donc 100% de participation. Et bah, juste pour vous rappeler l'importance de faire et bah, toutes ces frappes, évidemment, voilà, d'être à 100% de participation, même si c'est que 2, 3, 4 points, tous les points sont importants, et tout simplement parce que, bah, regardez en face, voilà, nous avons une très belle alliance avec des très bons joueurs, des grosses équipes, qui auraient pu nous mettre... peut-être pas une grosse branlée, mais qui aurait largement pu gagner cette GDA. Et ils ont 12 frappes non faites. Voilà, il y a deux joueurs qui n'ont carrément pas frappé du tout. Et bah voilà, ex-membre. Voilà. Ex-membre et le deuxième. Où est-ce qu'il est? Où es-tu mon petit pépère? Où es-tu? Et bah voilà, ex-membre. Voilà. Donc soit s'il n'était carrément plus actif avant, mais ça me paraît un peu bizarre quand même. Voilà, il est hors ligne, il n'est pas connecté. En allant voir un truc. Ah, ils sont déjà plus là. Ils sont déjà plus là. Donc voilà, l'importance de faire ses frappes. Après, c'est toujours facile hein, de dire les choses, hein, mais bon, un événement, un imprévu, ça peut arriver. Mais c'est vrai que ben du coup, c'est important de pas forcément faire ces 6 frappes
de pas planifier ses 6 frappes à la suite et en même temps, parce qu'il suffit que bah voilà, vous ayez un imprévu, un petit accident de la vie, enfin quelque chose, n'importe quoi, un coup dur au travail, et bah vous pouvez pas faire vos frappes. Alors que le jeu vous laisse quand même 24 heures pour les faire. C'est quand même c'est large. Je pense qu'en 24 heures, on a tous le temps de faire au moins les 3 premières frappes. Et puis bah après, évidemment, comme je vous ai dit, ça peut arriver. Donc voilà, exceptionnellement, je termine avec un petit commentaire. Et je pense que de toute façon, il n'y a pas à dire 300 mots. Hein. Vous savez l'importance de la participation et surtout chez les pipelettes. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.